Bonjour aux internautes de Total Sport. Moi, c'est Jimmy Baclé, arbitre de R1 qui évolue en Guadeloupe. Alors, vous êtes arbitre depuis quand et pourquoi avez-vous choisi d'être arbitre? Alors, je suis arbitre depuis 2 ans et demi et j'ai voulu être arbitre parce que au moment où j'entraînais des jeunes, très souvent, les arbitres ne venaient pas sur les matchs. Donc, ça m'arrivait de prendre le sifflet. Et une fois que ma carrière de joueur, j'ai arrêté ma carrière de joueur, j'ai décidé de rester dans le monde du football et de devenir arbitre de football. Alors, vous êtes l'un des plus jeunes arbitres en R1, si on peut le dire comme ça, très sollicité, avec une grande capacité à gérer les rencontres. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ben, tout simplement, c'est le travail de préparation d'avant-saison, que ce soit physique, même mental. Je me suis préparé à tout ça et j'essaie de mettre en pratique tout ce que j'ai appris, quoi. Alors, c'est pas toujours facile, j'imagine, d'habiter en Guadeloupe. Il y a des supporters dans plusieurs stades qui ne sont pas toujours cléments envers les arbitres, avec des propos injurieux, malsains. Comment vous vivez ces moments comme arbitre? Alors, étant joueur, étant sur le terrain, j'entendais ce que les supporters disaient aux arbitres. En allant regarder aussi les matchs, j'entendais tout ce qui se disait. Donc là, je savais déjà à quoi m'attendre. Et maintenant, étant arbitre, ce qui se passe dans les tribunes, on essaie de faire abstraction et de rester dans son match le mieux que possible. Alors, vous pensez être arbitre de façon générale, je ne vais pas dire pour la Guadeloupe seulement, est-ce que vous pensez être arbitre, c'est un travail facile? Alors, le entre guillemets, job d'arbitre n'est vraiment pas évident. C'est une tâche vraiment difficile parce que l'arbitre, c'est celui qui est mal vu, c'est celui qui peut faire perdre des matchs. C'est le bouc émissaire, donc c'est vraiment pas évident. Il faut tout simplement aimer l'arbitrage et en aimant l'arbitrage, malgré les difficultés, on peut mieux avancer. Alors, selon vous, quelles devraient être les qualités d'un bon arbitre? Alors, pour moi, être un bon arbitre, il faut déjà avoir beaucoup de sérénité, il faut être courageux et se dire que les matchs seront jamais faciles, mais il faut aimer. Ça doit être une passion pour pouvoir aller loin dans l'arbitrage. Voilà. Est-ce que en tant qu'arbitre, des fois vous êtes conscient qu'une faute non sifflée au cours d'un match ou au cours d'un championnat ou un mauvais coup de sifflet peut fausser tout un championnat? Alors, pour les arbitres, déjà, quand un arbitre va sur un match, il va pour donner le mieux de lui-même. Après, les erreurs sont humaines, on n'y peut rien. Mais tous les arbitres, en allant sur les matchs, on se dit qu'aujourd'hui, on se donne à fond, on essaie de donner une bonne copie. Et parfois, ça passe, parfois non. C'est comme les joueurs, parfois ils sont bons, un autre jour, ils sont moins bons. Donc, on est conscient qu'on arbitre des matchs parfois de haut niveau. On n'a pas le droit à l'erreur, mais l'erreur reste humaine malgré tout. Est-ce que ça arrive des fois, et vous venez d'arbitrer un match, vous dites oui, c'était parfait et le travail a été fait? Alors, après les matchs, oui, je fais mon autocritique personnelle. Et aussi, avec l'aide de mes assistants, ça m'arrive de me dire, bon, ce match-là, ça, j'ai plutôt bien géré. Mais il y aura toujours des choses à améliorer. Et c'est avec les critiques qu'on progresse. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez une estimation du nombre de matchs que vous avez arbitré pendant la saison?
Alors, pendant cette saison, j'ai fait les matchs en tant qu'assistant et des matchs au centre. Juste les matchs au centre, une estimation d'à peu près 25 matchs au centre cette saison. 25 matchs, c'est beaucoup, plus les matchs assistés, donc ça fait beaucoup quand même. Voilà, en tout, aller 37-38 matchs dans la saison. Donc vous pensez qu'un arbitre doit avoir une préparation physique comme un joueur? Alors, effectivement, la préparation physique, elle est vraiment importante. Il faut être prêt parce que pendant les matchs, ça arrive que les arbitres courent, même plus que les joueurs, en phase d'accélération, de repos, mais très souvent, beaucoup d'accélération. Donc, pour être prêt pour un championnat, la préparation physique, elle est primordiale. Est-ce que vous pouvez résumer pour nous, en une phrase, votre saison comme arbitre? Alors, cette saison, en tant qu'arbitre, a été une saison longue, avec des matchs importants à arbitrer, notamment la finale de la Coupe Michel Margaillard. USBM-USR. USBM-USR. C'est une saison qui m'a permis, si je puisse dire, c'est de passer un cap parce que c'est aussi cette saison que je passe arbitre R1. Super. Donc, la perspective pour la nouvelle saison? Ben, ce sera la continuité de la saison achevée. Toujours en R1 avec tous les matchs qui s'en suivent. Voilà. Un message pour les internautes de Total Sport et pour ceux qui prennent des fois les arbitres pour des boucs émissaires. Un message pour eux et pour ceux qui aiment le football. Alors, pour les internautes de Total Sport, ben, continuez à suivre la chaîne et d'être présents. Pour ceux qui prennent les arbitres pour les boucs émissaires, en Guadeloupe, on a une carence au niveau de l'arbitrage. Ben, au lieu de critiquer, ce serait bien au moins d'essayer pour voir comment ça se passe. Merci beaucoup, Jimmy. Je vous en prie. C'est moi qui